des locataires qui sont partis de Hennebon, qui ont fait 210 km à vélo pour rejoindre aujourd'hui le tribunal. Donc ils vont rentrer avec moi. Si je fais un arrêté, vous voyez, pour ne plus qu'il y ait de crottes de chien, ou pour que... là, il n'y a pas de problème, on ne va pas casser mon arrêté. Mais quand je veux faire un arrêté qui protège les habitants de ma commune, des pesticides de synthèse, on me dit, ah là, vous n'avez pas le droit, c'est à nous de faire. Mais ils ne font pas, j'en fais pour eux. Il faut faire bouger la loi. Moi, je pense que, d'ailleurs, l'État français est en infraction avec la directive européenne qu'elle n'a pas appliquée dans son droit français. Donc, comme il y a un défaut, une carence de l'État, c'est ce que je défends dans la question préalable de constitutionnalité. Le maire est donc, en termes de constitution, habilité à tenir compte de cette carence de l'État et y pallier par des arrêtés qu'il estime sur sa commune pouvoir protéger les habitants des pesticides de synthèse. Merci. Merci beaucoup. On a fait le test dans nos urines en début d'été. Locataires. Donc trois de nous, des locataires, ont testé dans leur taux. Dans leurs urines, et c'était de 10 à 30 fois plus de pesticides, de glyphosate dans nos urines que ce qui est autorisé dans l'eau en France. Donc c'est énorme. Ouais. Et c'est un peu dur de se dire que tu as comme un poison dans le corps et que c'est dur et de faire ça en fait. D'abord, je pense qu'on a de l'inquiétude et de la colère. Et après, avec la colère, et bah, on se dit qu'il faut en faire agir et on en fait une force et donc on agit. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que 20 maires en France ont pris le même arrêté. Et donc, nous avons créé un petit comité pour s'entraider, pour échanger nos informations juridiques, pour essayer de faire en sorte que nous ne puissions pas être interdits de prendre des arrêtés, et notamment l'arrêté que j'ai pris, ce n'est pas un arrêté de pesticides, hein, c'est ça qui est terrible, c'est simplement un arrêté de distance, d'éloignement des pesticides. Je ne veux plus que dans ma commune soient faites des analyses d'urine dans lesquelles on trouve, chez des enfants de 6 ans, des taux de glyphosate 30 fois supérieurs à la norme. C'est inacceptable. Merci à vous.